Je pensais ne pas en avoir perdu un et puis... Plus rien. Et d'un coup c'est con. J'ai perdu même ma tête. Un jour j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5. Et pof, j'avais plus de tête. C'est parti. D'abord par son regard, et puis ensuite, par ses mains. Tremblement perpétuel, une sonde orgasmique incessante, une fougue de désir incrivante, dans mon ventre, plus puissant, je suis l'enfant, moi je... On chante la partition qu'il nous a imposée et nous surveille en maintenant la baguette. Nous, évidemment, on a eu envie de composer avec l'instant. Imaginez la maison carrée avec la terrasse. La terrasse, on voit les oliviers, les noyers, les figuiers. Il fait au moins 40 degrés, il fait chaud. Léda est allongée dans son lit. Quand l'homme était ignorant, il croyait que c'était le fleuve, le vent, qui était le père. La femme s'arrondissait, devenait lune et accouchait d'un mystère. L'homme et la femme s'aimaient d'un amour innocent. Ce n'était pas eux qui faisaient les enfants. Seuls les esprits donnaient la vie. Olivier, pied de vigne, tout appel au calme, tout appel à la volupté. Et tout ça le met en chaleur. Et depuis le temps qu'il regarde sa sœur, il la veut. En voyant l'oiseau fatigué et humilié sur le bord du chemin, elle l'a pris dans ses mains, elle l'a posé contre son sein, elle l'a cajolé, elle l'a bercé. Il l'attrape, il la plaque contre le sol et il l'aime. Okay.
vous présenter un petit peu de notre album qui va arriver, un petit peu du freestyle complet. Les amis qui sont là pour toaster, on va vous faire ça tranquillement. C'est marrant, c'est un truc qui est en train de se faire.